Yo les gens, c'est Selmo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team. Aujourd'hui, on a la patate, les gars, parce qu'on est enfin... C'est enfin l'arc Roto 2002. On y est arrivé. On a le Tsubasa Catalogne, Barcelone. Donc là, on a le petit Tsubasa vert. On va regarder vite fait ce qu'il vaut. On va voir ce que les Barcelonais vaut aussi. Donc on va vite fait check ça en vitesse. Donc là les frérots, je vais tenter une rotation et deux multi sur le Dreamfest. Donc voilà, on va voir ce qu'il vaut le petit Tsubi Tsubi. Donc d'accord, ouh, très intéressant. Alors là en tir il est énorme. Il me semble que... Ouais, non. En plus, c'est le... Bah, c'est le seul emo Tsubasa vert fort actuellement. Parce que, bon, avant, t'avais le Warlius, mais il est plus joué. Mais très, très fort. 9089 en tir. Franchement, en endurance, c'est la 1138. C'est très, 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 très fort. Oui, très, très fort. Oui. Je suis d'accord. En puissance, d'accord. 6301. Et en défense, bon, c'est plutôt correct. Et en physique, c'est correct. Mais sinon, c'est un full tireur. Donc là, Sanila, ce DF, il va avoir des... Il va avoir du mal face à ce Tsubasa-là. Parce que... Très, très, très fort. Donc on va regarder le rival. Torn. 450 de puissance. Waouh. Ah ouais. Très intéressant. Très intéressant. Après, c'est dommage, faut le choper en doublon pour donner le drip parce que ce serait si tu le chopes et tu l'as qu'une fois, c'est pas intéressant de... Enfin, ça dépend ce que tu joues, mais c'est pas intéressant de le donner, de virer un bon Tsubasa comme ça. En lead, joueur japonais tout par mètre plus 15%. Ah ça, c'est très fort. Ça, c'est très intéressant parce que là, on peut jouer toutes les couleurs. On peut jouer toutes les couleurs. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là... C'est énorme, franchement c'est énorme. Que dire de plus? Pleine puissance, ouais, ça je suis pas fan. Je suis pas fan parce que... Bon après il a des bonnes stats, mais... Bon, voilà, je suis pas fan parce que t'attends d'avoir le full power pour pas... Pour le jouer à fond et c'est pas très... C'est pas intéressant. Donc voilà. Ok. Bon bah il est très 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 fort, ça il est énorme. Franchement... Plus tu peux le mettre dans une jap, tu peux le mettre dans une club, c'est très très intéressant. Donc là, attends. On va voir Gonzalez. Gonzalez, alors ce qui vaut le Gonzalez, je fais ça parce que c'est avec mon téléphone les gars. Alors en endurance 1127, en tacle très fort, en tacle, en contre très correct, et en interception ça va, ça peut le faire. En rapidité, c'est pas mal. En puissance, c'est très bien. Et en technicité, ça va, c'est correct. Donc voilà. Pression. Alors ça, c'est nouveau. En remportant le duel, paramètre moins 10% lors du choix de la commande suivante pour l'adversaire. Ah, ça, c'est énorme. C'est-à-dire, s'il remporte un duel et qu'il retombe face à un autre joueur, l'autre joueur, automatiquement, il perd 10% de stats. De stats. C'est intéressant. Joueur non japonais tout par mètre plus 15%. C'est très intéressant aussi. C'est comme le Tsubasa. D'accord. Ou son tacle. Ouais. Tacle puissant. Ouais, c'est des stats. Enfin, c'est des TS de base quoi. Ok, bon, après. En termes de stats, il est assez complet, je veux dire. Il est assez défensif. Ensuite. Tac. Joueur de Catalogne plus paramètre plus 33%. Pas mal ça. Après bon, si t'as tous les Catalans, t'as tous les Barcelonais, ça peut être intéressant. Si t'as le cru fort, enfin le cru vert, pardon, le Rivaol et tout, c'est vraiment très intéressant. Bon après il a ça, il est. Et il a un bouclier de scellement TS pour lui-même. Ok. Franchement. Si tu joues pas Barça. C'est pas intéressant. Et si tu veux jouer Barça, et je pense que ça va arriver, il y a déjà pas mal de cartes Barcelone, c'est très très fort.
Alors, ouais, correct aussi. Correct en sorte de. Bon, en interception et en contre, c'est pas ouf pour un défenseur, mais en tacle, c'est pas mal. Donc voilà, en passe, il est pas. Il se débrouille, donc voilà. Tueur d'endurance. On se passe à un bouffeur de stam, c'est intéressant. Et c'est un lit de cohésion club. Ah, ça c'est pas mal. Ça commence à venir aussi, donc ça peut être pas mal. Ensuite, on a quoi? Ouais, bah, encore un. Ça fait 5%. Plus lutte, ça fait 5%. C'est pas mal. Ça donne. Bah, comme je dis, c'est pour les Barcelonais. Ok. Bah, c'est que pour les Barcelonais. Si tu veux jouer Barcelone, c'est très intéressant. Par contre, si tu veux jouer club Rainbow, entre guillemets, bah, ce serait eux qui sont juste boostés, quoi. C'est pas le reste, quoi. C'est. Voilà. C'est ça qui est un peu navrant, mais c'est pas grave. C'est quand même intéressant. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, les frérots, je vais pas vous mentir, c'est le Tsubasa. Le Tsubasa, il est énorme. Je le veux. On a le Brobro là. Le Brobro, check. Brobro, bisous. On va tenter une rotation. Bon, là, j'ai du cash, les gars. Faites pas ça chez vous. Je vous le préviens. J'ai fait ma baleine. Donc, j'ai cash. Ne faites pas chier chez vous. Et voilà. Tombez pas dans le piège. Ça se trouve, je vais me faire fist. Donc, après, tant pis pour moi, je l'aurais cherché. Donc, voilà. On va tenter. Allez, Brobro. Une rotation et deux multi ou trois multi sur le Dreamfest, on verra. Allez, première multi. Il me semble que c'est du 3%. Hein. 2. Bon. C'est du 3%. Rien de garanti. Je passe. Si on peut choper au moins le Tsubasa. Après, une petite carte du portail, ça fera plaisir, mais elle va rester dans le côté. Mais le Tsubasa. Je dis alléluia si je le chope. Chance. 1, 2, 3. Flamme rouge. Toute l'équipe Rainbow, c'est parti. Allez. Tsubasa frérot. Tsubasa frérot. Tsubasa frérot. Allez, on veut le Tsubi, Tsubi, Tsubi. Si ça peut péter, je dis pas non. Bon, c'est pas le bon Tsubasa. C'est pas le bon Tsubasa. Ah, c'est le Tsubasa, mais non. Oh là 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 là. T'as Tsubasa. Attends, bro bro, bro 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 bro. Bro bro. Si t'aimes. Fais pas le bâtard. Allez. La dernière avant la gratuite. Non. Une SSR. Et un double. Oh, bon, ça va me servir à rien pour l'instant, mais bon. Allez. Allez, 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 allez. C'est du 3%. Bon, je vais tenter, hein, c'est pas grave. Chance. Allez. Allez. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Une nécessaire. Allez, allez frérot. Pop, pop. Bon. On a eu Pedro. On a une carte du portail. C'est pas le Tsubasa, mais bon. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Donc, je la mets de côté. Ça peut servir. Un ticket de retrait. Bon, voilà. Et on va tenter deux multi sur le Dream Fest. Allez, c'est parti. Bro, bro. Tu connais la luck. Tu connais la famille. Fais péter. Chance 1, 2, 3, 4. Si je peux avoir le. Ah, personne. Si je peux avoir le Yuga. On sait jamais, ça peut pop. Je dis pas non. Allez. Oh, non, non, mais donne pas ça, frère. Donne pas ça. Donne une nécessaire, mais donne pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Chance. Flamme verte, j'y crois pas, mais bon. Ah,
Ah, ça fout le démon. Ah, ça m'apprendra. J'ai paqué, j'ai caché comme un porc, et voilà. Ne faites pas ça chez vous, les gars. Je viens de me faire fister, mais je comprends pas. C'est tout le temps comme ça. Bon, après, ça va, c'est de la YouTube monnaie, on va dire, entre guillemets. Mais voilà. Bon, on va tenter quelques singles. Hein. De toute façon, foutu pour foutu. Hein. Allez, hop. Bon, single, j'ai la poisse. Allez. On n'y croit pas. Hein. Bon, on n'y croit pas. 1, 2. Bon, on a eu Gonzalez, c'est mieux que rien, mais bon. J'aurais préféré avoir le Tsubasa. Mais on peut pas tout avoir. Chance, 1, 2. Ça m'apprendra de tenter comme ça dans les 3%. Rien de garanti. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Je vous préviens, les gars. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Moi, je le fais parce que voilà. Là, j'ai une opportunité de le faire parce que c'est la YouTube Money. Et ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous parce que ça risque de faire mal. Ouais, vas-y. Ouais. Même pas un Dream Fest, quoi. Quand même incroyable. Tu donnes une nécessaire, même pas un Dream Fest. Et moi, les Dream Fest, là, ça fait depuis le Dream Fest Yuga. J'ai rien. Rien du tout. Rien. Donc là, je vais pack jusqu'au prochain Dream Fest, même si j'ai des steps, j'y touche pas. Parce que j'en ai marre d'attendre. À chaque fois au Dream Fest, je suis rincé. Donc voilà. On va rester là, on va en arrêter là. Donc c'était une petite vidéo invocation. Bon. On a eu le Gonzalez, le Pedro. C'est mieux que rien. Un peu déçu parce que c'est pas ce que je voulais, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc les gars, comme je vous l'ai dit, ne mettez pas de sous. Parce que c'est un gros piège, ça peut faire mal. Moi j'en mets parce que voilà, je peux me permettre, mais là c'était de la YouTube Money, donc Osef. Mais voilà, ne mettez pas de sous. Je vous préviens, ça peut faire mal. Donc les gars, prenez soin de vous. Moi je vous dis à plus pour plus de vidéos. Ciao.